Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à t'expliquer une nouvelle vidéo. Quatre vidéos donc d'exercice en physique chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, contrairement à la vidéo d'application sur la concentration massique, on va s'entraîner justement toujours au calcul de la concentration massique, mais cette fois-ci dans le cas d'une dissolution. Ok ? Alors du coup, je vous affiche l'exercice. Ici, il s'agit de dissoudre un comprimé. Donc on dit que la concentration massique, donc plus précisément en masse maximale de paracétamol en solution aqueuse, et donc CM max, qui est égal donc à 14 g par litre à 20 degrés. On demande donc d'exprimer puis de calculer la masse de paracétamol qui ne sera pas dissoute dans un verre de solution médicamenteuse de volume 50 ml si on tente d'y dissoudre un comprimé contenant une masse M de paracétamol de 1 g. Okay, donc pour cela, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre cet exercice. Puis ensuite, on va le corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors, déjà, quand vous avez un exercice comme ça, toujours, c'est un conseil que je donne, mais prenez bien en compte les données. Parce que, mine de rien, il y a pas mal de données. Il y a des données qui sont parfois inutiles et il y a des données qui sont utiles. Donc, prenez bien en compte les données, parce que voilà, ça peut vous aider. Donc, première des choses qui est intéressante à savoir, c'est que la concentration en masse maximale de paracétamol en solution aqueuse, donc c'est CM max. Donc ici, on vous donne sa concentration maximale qui est de 14 g par litre. Okay, et donc ici, c'est à 20 degrés. Bon, là, 20 degrés, on n'est pas obligé de le savoir. Voilà. C'est pas forcément obligé de savoir. Par contre, en revanche, on dit que la solution médicamenteuse, elle a un volume de 50 ml. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc V sol, c'est donc 50 ml. Ici, donc, ce que l'on recherche finalement, c'est de savoir déjà la masse de paracétamol que l'on peut dissoudre. Je me dis qu'on peut dissoudre. Et après, de là, une fois qu'on aura su la masse de paracétamol que l'on peut dissoudre dans ces 50 ml au maximum, et bien dans ce cas-là, de là, on peut déterminer la masse de paracétamol qui ne sera pas dissoute. Okay, donc finalement, on va mettre de côté masse donc dissoute. Ça, c'est ce qu'on en recherche. Et donc, moi, je connais la masse donc du paracétamol, donc max par. Ici, on donne que c'est 1 g ou 1,0 g. Enfin, 1,00 g. Bon. Voilà. Là, j'ai pris en compte toutes mes données et j'ai un peu fait fonctionner la tête. Okay, voilà. Et c'est comme ça que vous devez réagir face à un exercice. Toujours vous demander qu'est-ce qu'on vous demande et comment je peux y procéder surtout. Ok, ça, ça prend des choses. Maintenant, de là, c'est très facile. Pour calculer la masse de paracétamol qu'on peut dissoudre, on connaît deux données. On connaît la concentration massique maximale en paracétamol. Et deuxièmement, on connaît le volume de solution que l'on veut faire. Donc là, il ne reste plus qu'à calculer la masse maximale de paracétamol que l'on peut mettre justement dans cette solution. Donc je vous rappelle, la concentration en masse, donc CM max, c'est donc égal à la masse tout simplement dissoute, à M dissoute, et ceci, donc je vais diviser par le volume de solution. Donc ceci est équivalent à dire que la masse dissoute, c'est donc la concentration maximale, donc la concentration maximale, donc tout simplement de paracétamol, la concentration maximale de paracétamol, que je vais multiplier par le volume de solution. Donc autrement dit, la masse dissoute, c'est donc égal, et là il faut bien faire attention aux unités. Ici, ma concentration en masse maximale de paracétamol qui peut être dissoute dans une solution aqueuse, on dit 14 g par litre. Ok, parfait. En revanche, on donne le volume de solution qui est de 50 ml. Donc là, attention, je vous rappelle, vous devez avoir des grammes en termes de masse quand vous avez une concentration en masse. Quand vous avez une concentration en masse qui est en grammes par litre, vous devez avoir la masse qui est tout simplement en grammes et le volume qui est en litres. Là, dans le cas là, ce n'est pas en litres. 50 ml n'est pas en litres. Donc on va transformer ça très facilement en litres. 50 ml, c'est donc 50 fois 10 exponent moins 3 litres. Ok. Et après, la masse dissoute que je vais donc obtenir, logiquement, déjà on sait qu'elle sera en grammes. Donc c'est parfait. La masse dissoute, c'est donc la concentration en masse maximale, donc c'est-à-dire 14 g
par litre, que je vais multiplier par le volume de solution. Donc ici, qui sera en litres. Et donc le volume de solution, c'est 50 fois 10 exponent moins 3 litres. Et donc, voyons ce que ça nous donne en termes de masse dissoute. Donc masse dissoute est égale. Alors du coup, la masse dissoute, c'est tout simplement 14 fois 50 fois 10 exponent moins 3. Autrement dit, 0,7 grammes. Okay. La masse maximale qui peut être dissoute de soluté, donc plus précisément de paracétamol qui peut être dissoute dans ces 50 ml, c'est 0,7 g. Et dans ce cas-là, eh ben, ce qui va me rester par rapport au 1 g de paracétamol que j'avais au départ, eh ben, il va me rester 0,3 g de paracétamol qui ne pourrait pas être dissoute. Donc, petite phrase réponse déjà pour conclure. Dans un premier temps, la masse maximale de paracétamol que l'on peut dissoudre dans 50 ml de solution médicamenteuse, c'est tout simplement de 0,7 g. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit très vite fait à l'oral, on va donc calculer la masse de paracétamol qui ne peut pas être dissoute. Donc là, juste rédigé. Donc là, la masse non dissoute, c'est donc tout simplement la masse de paracétamol moins la masse dissoute. C'est-à-dire, donc la masse non dissoute, c'est donc tout simplement 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3 g. Donc, il y aura 0,3 g de paracétamol qui ne pourront pas être dissous dans ce volume de solution. Voilà, donc 0,3 g de paracétamol ne pourront pas être dissous dans les 50 ml de solution médicamenteuse. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.